À l'Hacienda, Gabino s'est échappé de l'hôpital pour venir kidnapper Ygritte. Il l'a saisie et lui dit qu'il va l'envoyer dans un endroit où personne ne pourra les déranger. De l'autre côté, Braulio et Tonya sont soulagés que Vicente dorme. Ainsi, il ne pourra pas partir veiller sur Gabino. Braulio propose alors de passer la nuit là, ce que Tonya accepte. Pendant ce temps, Florencia qui détient l'amulette de Damian, n'arrête pas d'y penser. Ce dernier frappe à la porte mais Florencia ne l'ouvre pas. Plus loin, Gabino a emmené Ygritte à la planque. Il est en très mauvais état et se plaint de fortes douleurs à la tête. Ygritte supplie Gabino de la laisser partir et lui dit qu'il doit retourner à la clinique. Ce que Gabino refuse. Gabino demande à Ygritte pourquoi Alfonsina la cherchait. Il comprend qu'Ygritte voulait encore le trahir en échange de l'argent. Gabino voit aussi le billet d'avion d'Ygritte qui comptait quitter l'Ermita. Gabino en colère dit à Ygritte comment elle a pu le trahir ainsi et raconter à tout le monde qu'il la battait. Gabino énumère tous les bienfaits qu'il a fait pour elle. Il lui a même trouvé une maison et donné de l'argent. Et tout ça pour qu'elle finisse par le trahir comme un chien. Ygritte en pleurs supplie Gabino, mais ce dernier furieux attache Ygritte. Ygritte frappe Gabino et essaie de s'enfuir. Mais Gabino la rattrape et elle s'écroule. Tous les deux s'évanouissent. De son côté, lorsqu'Alfonsina rentre à la maison, elle trouve Damian qui l'attend. Damian veut lui parler au sujet de terre du Cielo Aberto. Alfonsina propose à Damian de récupérer les terres et d'y produire eux-mêmes leur propre piment. Ce que Damian conçoit. Plus loin, Ramona n'est pas du tout ravie du mariage de Paloma et Enrique. Paloma supplie sa grand-mère d'être heureuse pour elle et continue d'affirmer que Vicente est le père de son bébé. Mais sa grand-mère ne croit pas du tout que l'enfant soit de Enrique, et le fait bien savoir à Paloma. De l'autre côté, Ygritte se réveille et est surprise de se trouver dans le fond d'une tombe. Gabino en haut lui dit qu'il avait creusé cette tombe pour Carmina. Quand elle lui avait demandé de tuer Carmina, mais ironie du sort, c'est à elle-même que la tombe va servir. Gabino annonce à Ygritte qu'il va l'enterrer vivante. Ygritte désespérée crie à l'aide. Gabino lui jette les billets d'avion pour qu'elle les garde pour lui. Gabino commence à verser la boue sur Ygritte, il lui dit qu'il le fera doucement pour qu'elle sente ce que ça fait d'être enterrée vivante. Ygritte hurle, elle est complètement désespérée. Un peu plus tard, Gabino a presque fini de refermer la tombe. Ygritte essuie ses dernières tentatives et supplie Gabino de ne pas faire ça. Mais Gabino lui fait ses derniers au revoir, et referme complètement la tombe, enterrant ainsi Ygritte vivante. Le lendemain matin, Gabino se réveille en sursaut à côté de la tombe. Il a de fortes maux de tête et essaie d'avancer. Mais après quelques pas, il s'écroule au sol. De l'autre côté, le docteur Edmundo et son collègue s'inquiètent du fait que Gabino se soit enfui de l'hôpital surtout dans cet état. Edmundo est tout de même surpris que malgré avoir pris une balle dans la tête, Gabino soit toujours vivant. Son collègue lui dit que la balle n'a touché aucun organe vital et que Gabino détient toutes ses capacités motrices. Edmundo dit ensuite que s'il ne retrouve pas Gabino le plus tôt possible, ce dernier pourrait mourir.
Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.